Depuis l'âge de 14 ans, je suis tombé là-dedans par hasard. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai découvert tout l'univers qui était autour du skate, enfin la musique, le graphisme. Je me suis toujours intéressé aux arts visuels, à l'art contemporain, l'architecture, le design. Et depuis quelques années, en fait, je suis artiste contemporain. J'ai commencé le skate en 88. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, voilà, j'ai découvert le skate via l'image du skate et via la culture du skate. Et je pense que ce qui m'a accroché dans le skate, plus que la pratique sportive, c'est vraiment ce côté culturel où j'ai découvert un nouveau monde. Des termes, des vêtements, des graphiques. Et c'est vraiment tout ça que j'ai pris en pleine figure. Et du coup, c'est ce que j'aime en fait dans le skate, je pense. Plus que le skate en lui-même, c'est vraiment la culture du skate. Et du coup, j'ai commencé la photo de skate quand le numérique est devenu accessible pour le grand public. Et puis ça tombait bien parce que c'était un moment où je commençais à être déjà un peu plus âgé, j'avais déjà un enfant, je pouvais plus trop me blesser. Du coup, je progressais plus en skate. Et il y avait un peu cette frustration de je continue à en faire parce que j'aime ça, c'est ma vie, que je bosse dedans, que je mange skate, je chie skate. Et la photo, ça m'a permis de retrouver de l'intérêt dans le skate. Je continuais à faire un truc créatif et puis ça me permettait en plus, une fois rentré à la maison, de pouvoir prolonger encore la session en regardant les images, en les triant, en les choisissant, en les recadrant. Et je pense que c'est venu comme ça. En fait, être un skateur dans la photographie, dans l'art ou dans n'importe quoi, ça permet en fait d'avoir un regard différent sur l'architecture ou la ville en fait. Quand on se balade, on voit toujours un plan incliné, des marches, on voit des lignes en fait, un peu comme ce que je dessine, je vois des lignes. Avec Mathieu, on s'est connus, on a fait un bouquin ensemble sur le skate et l'architecture à Paris, Paris Skate in the City. Ça s'est pas mal passé, on a vachement bien bossé ensemble et suite à ça, on avait envie de continuer à collaborer. Et c'est Étienne, en fait, qui est venu avec ce projet d'art contemporain où il s'est mis à faire de la peinture sur des photos d'archi. Moi, j'ai commencé à peindre sur des aplats rouges et noirs, en fait, sur des photos que j'avais fait moi-même. Et Mathieu a bien aimé, il m'a proposé ses photos, quelques photos à lui pour peindre dessus. Et en fait, plutôt que de faire une expo sur le bouquin et les photos de skate pures, j'ai proposé ce projet qui s'appelait Red 15 à l'époque. Et Un Concrete Architecte, c'est la suite, en fait, l'évolution de Red 15. Pour nous, le skate, c'est la base, en fait. On est autodidactes tous les deux, en fait. Ça fait partie aussi de notre culture, quoi. Se balader, découvrir des choses, être curieux. Le skateboard, c'est aussi ça. C'est un mode de vie. On vient du skate. C'est notre culture de base. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par le skate aussi. Et du coup, c'était la petite touche en plus qu'on pouvait amener dans l'art contemporain. Tout le monde peut faire de la photo, tout le monde peut faire de la peinture. Après, ce côté skate, c'est un truc où, pour le coup, on est un peu crédible. Concrete Architecte, en fait, c'est un des aspects du skateboard où il y a cet aspect de destruction quelque part, parce qu'on abîme quand même un peu le mobilier urbain, mais à la fois c'est pour construire autre chose. Et c'était un peu la même démarche où en fait Étienne il vient peindre sur mes photos, donc quelque part abîmer l'œuvre de base pour l'amener à quelque chose de plus grand. On est des architectes, pas du concret, des choses qui n'existent pas. Et en fait, en anglais, concrete, c'est béton. En fait, on utilise aussi la matière du béton, en fait, en transparence avec les couleurs. Et là-bas, c'est le béton aussi pour le skate. Et
pour le reste. Donc c'est le jeu de mots, on n'est pas des architectes, mais un peu. Concrete, c'est le béton, on utilise le béton et c'est pas concret ce qu'on fait. J'aime bien le côté spontané où en fait on part faire une session. Je roule avec eux, moi j'ai le sac avec l'appareil photo, et puis je les laisse quêter, je prends de la distance, je regarde ce qui se passe, et je fais mon truc dans mon coin. Mais si vraiment j'ai raté le cliché, je vais leur redemander s'ils peuvent éventuellement refaire la figure. Mais en général, ils savent même pas finalement que j'ai fait la photo. C'est vraiment, c'est capturer l'instant en fait. Et après, trouver le bon instant, le beau geste. Il y a ça aussi dans le skate. Il y a cet aspect, la position du corps, avec aussi l'environnement. Il faut que même si tu ne fais pas de skate, tu puisses comprendre d'où vient le skateur, ce qu'il est en train de faire et où est-ce qu'il va atterrir ou replaquer sa figure. Voilà. Et c'est ce que j'essaie d'avoir toujours dans mes photos. Avec un peu une obsession pour les lignes, où j'aime bien toujours avoir une ligne de fuite. Et je pense qu'un contrat d'architecte, c'est né aussi un peu de ça, cette obsession des lignes, où finalement, Étienne, il a vu les lignes et ça lui a parlé, et le fait de pouvoir en créer même d'autres pour donner encore plus de profondeur de champ. En fait, l'histoire du skater dans les œuvres, en fait, c'est le skater, c'est juste un mouvement. Et l'architecture, comme c'est massif, ça donne un peu de vie en fait aux œuvres. Mathieu essaie de shooter de loin pour qu'il soit vraiment dans l'environnement et qu'il soit presque noyé. Après, dans les photos de skate, finalement, ce qui fonctionne bien, c'est aussi les choses très simples. Un ollie en photo, ça fonctionne super bien. Un truc très technique, ça marchera bien en vidéo. En photo, pas forcément. Et l'ensemble de tout ça, a fait que j'ai commencé à prendre de plus en plus de recul, en fait, à shooter soit au 50, soit au 70-200. Ouais, vraiment à prendre de la distance par rapport à l'action. Et le skater, il est... c'est toujours le personnage principal de la photo, mais on peut y voir autre chose. Je shoote beaucoup en noir et blanc parce que les photos de skate qui m'ont marqué vraiment sont souvent des photos en noir et blanc. Et puis j'aime bien le côté très direct de la photo en noir et blanc. Où, du coup, l'œil n'est pas attiré par une couleur. Où, voilà, j'aime les photos en noir et blanc et les photos très contrastées, très noires et très blanches. Je suis allé au Danemark et en fait j'ai vu une expo avec Fine Jules, c'est un Finlandais en fait, un architecte des années 1920. En fait il construisait ses perspectives et pour que ça soit plus vendeur, il a ajouté de l'aquarelle, des touches de couleur. J'ai essayé sur des photos de Mathieu à l'aquarelle au début. La technique était pas mal mais en fait c'est très fragile et surtout on peut faire que des petits formats. On a fait évoluer notre technique sur du Dibon, en fait c'est des plaques en alu et en mousse très fin. Mais rigide. Et là, on print directement la photo dessus. En ce moment, dans les musées, c'est ce qui arrive aussi pour faire des grands formats. Ils utilisent la même chose pour les magasins, etc. Donc, c'est une technique industrielle. On peut peindre directement dessus. Et là, c'est vraiment plus solide. On peut faire des très grands formats de jusqu'à 2 mètres sur 3 ou des choses comme ça. Et on peut donner un côté plus d'aspect rugueux. Ça garde plus de possibilités, en fait. On print en fait la photo en entier. On print, on la recadre, on printe tout, en fait, sur toute la plaque. Après, j'utilise de la peinture industrielle. En fait, c'est de la peinture au rouleau qui accroche sur le métal, le bois,
etc. J'utilise une peinture un peu blanc cassé, ivoire, des architectes du Bauhaus ou Le Corbusier ou toute cette génération. En fait, le papier, il n'était jamais blanc, c'était toujours un blanc cassé. On veut garder ce côté, en fait, un peu vintage. J'utilise des scotchs pour délimiter, mais c'est des scotchs un peu vulgaires, en fait. Ce qui laisse des éclaboussures, faire un aspect vraiment brut. Après, j'utilise plutôt des scotchs pour faire des choses très lisses, très clean, pour les couleurs, en fait. Comme ça, ça donne un aspect brut et un peu crado, et un aspect vraiment clean, qui est plutôt architecture, vraiment propre. Regarder les couleurs qui allaient vraiment bien ensemble. Donc, il y avait l'aspect un peu du Bauhaus, Le Corbusier, que tu utilisais toujours les couleurs primaires. Mais après, il me manquait une couleur. Je trouvais que le vert, ça donnait un... C'est toujours dur à utiliser, mais ça donne une partie soit plus vivante ou soit plus abstraite encore. C'est ça qui fonctionnait, couleur primaire plus vert. Et dans cette étape, les couleurs sont transparentes. En fait, qui ressemblent un peu à de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, ça reste transparent. Et ce qui nous donne la possibilité de garder l'aspect béton de la matière de certaines photos, quand on peut. Quand les couleurs sont posées, on rajoute quelques traits pour donner soit la forme d'un bâtiment, une esquisse en fait d'un bâtiment, soit pour rajouter de la perspective ou transformer les perspectives. Certaines sont fausses, enfin c'est mathématiquement impossible, et d'autres sont calculées. Donc ça donne un côté un peu abstrait, vraiment peinture, et un côté vraiment architecture, design, où c'est parfait, quoi. Et ça, c'est vraiment l'étape finale. Finalement, mes photos, c'est juste la base du travail, mais je le laisse vraiment libre. C'est lui qui monte les projets, qui... On en discute, mais au final, je laisse vraiment faire, quoi. Il peut vraiment s'exprimer sur le truc. Puis parfois, c'est aussi Étienne qui va me dire « Tiens, j'ai vu cette photo que t'as postée, est-ce que tu l'as recadrée? Est-ce que t'as pas un plan plus large ?» Parce que lui, il voit un truc que moi, j'ai pas forcément vu sur l'instant. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir ce qu'il arrive à faire de la photo de base. Parfois, je reconnais même pas le cliché, quoi. Il va me présenter une ébauche de projet en me disant « Tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça. » Je dis « Mais oui, c'est moi qui l'ai faite, c'est sûr, mais c'était où? C'était quand ?» Projet de Concrete Architect, le but aussi, c'est de ramener de la culture dans le skate. Parce que finalement, moi, c'est ce qui m'a amené au skate. C'est ce que je trouve passionnant dans le skate. Et aujourd'hui, on a une époque un peu étrange où finalement, c'est la meilleure période qui ait jamais existé pour le skateboard. Il n'y a jamais eu autant de pratiquants. Il y a quatre générations qui pratiquent ensemble. Dans la courte histoire du skate, c'est jamais arrivé. Globalement, tu commences à 10 ans, tu arrêtes à 20. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui font du skate, il y a des ados, et il y a aussi des trentenaires et des quarantenaires qui s'y remettent parce que leurs enfants pratiquent aussi. Donc ça, c'est assez génial. Par contre, en termes de culture, depuis que les marques de sport se sont mises dans le skate, elles ont développé vachement l'aspect sportif. Mais l'aspect culturel, il a un peu disparu. Et je trouve ça un peu dommage. Et avec Étienne, c'est ce qu'on a envie de faire, en fait, d'amener le skate ailleurs que dans le sport. Parce que nous, on ne considère pas que le skate soit un sport. C'est quand on a fait le bouquin, justement, Paris Skate in the City, on a demandé à Raphaël Zarka, qui est un artiste, lui, pour le coup, reconnu dans le monde de l'art, de nous faire la préface. Et il a écrit une très belle phrase. Il dit que le skate n'est pas un sport et le skate n'est pas un jouet non plus. On ne joue pas au skate, on joue du skate, comme on pourrait jouer d'un instrument de musique. Et finalement, c'est exactement ça. Et la ville, quelque part, c'est la partition sur laquelle on peut s'exprimer et faire un truc
un peu plus créatif qui va au-delà de l'aspect sportif de la chose.